Ciao a tutti, benvenuti chez Mamma Italia. Aujourd'hui, on va découvrir les maritozzi con la panna, l'impasto. Avant tout, nous allons faire une petite infusion qui va servir pour parfumer notre pâte. Maintenant, je vais pétrir ma pâte au moins 10 minutes. On dit sbattere la pasta, ça veut dire battre la pâte sur le plan de travail. Cela favorise la pousse. Voilà, la pâte est prête quand elle ne colle plus au toucher. Je couvre le saladier avec du film alimentaire pour empêcher que la pâte sèche. I panetti. Regardez-la, très bien levée. Maintenant, je vais diviser la pâte en pâtons de 100 g chacun. Vous voyez, c'est comme des petites brioches de forme ovale. On va les faire pousser à température ambiante pendant une heure. La cottura. Nos maritozzi sont bien levés. On va les badigeonner de blanc d'œuf avant de les mettre au four. On va préparer un petit sirop de glaçage qui va donner de la brillance à nos maritozzi dès la sortie du four. Nos maritozzi viennent de sortir du four et on va les badigeonner avec le sirop de glaçage encore chaud. Je les fais refroidir complètement avant de les farcir. La farcitura. On commence tout d'abord par monter notre crème en chantilly. Pour que la chantilly monte, il faut des ustensiles bien froids. Maintenant, on va couper nos maritozzi à moitié et ce qui est très important, c'est de ne pas détacher le fond. Vous voulez savoir pourquoi ils s'appellent maritozzi? Eh bien, il paraît que dans l'Antiquité, les fiancés offraient à leur promise ce gâteau avec la bague de fiançailles à l'intérieur. Les filles les appelaient maritozzo, c'est un peu un petit nom pour dire mari. Et ce nom est resté pour toujours pour indiquer ce gâteau. Et voilà, nos maritozzi avec la panna sont prêts. Si vous voulez les déguster comme à Rome, faites-en votre petit déjeuner. Avec un café espresso, ils sont absolument magnifiques. La morte sua, comme on dit à Rome. Buon appetito!